Après victoire FC Barcelone dans classico, Barcelone quasiment champion. Juventus gagné choc qui t'a gagné jeudi en Italie. Messi sifflé au Parc des Princes et PSG perdu à domicile. Information ça nous bral départager ensemble avec vous avec un pilote nous bral pote pour. Bonjour, bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir pour nous rentrer la caillou pour nous partager des informations sportives ensemble avec vous. Je salue chaque monde qui a regardé, qui a attendu dans 10 départements et ou même qui a regardé à l'étranger. Je dis que nous remercions nous en pile. Merci pour le support nous et je dis que pas suspendre abonner, pas suspendre commenter, like vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, je tiens à remercier ma nouvelle communauté qui se trouve en Suède, représentée par Paul Yamulamba. Merci Paul, tout mon amour. Jeudi, dans 5 grands européens, tu as conseillé de belles matchs. Et jeudi dimanche, tout match, tout gros match, c'est dimanche même que tu as choisi pour le jouer. Nous allons en Italie, dans la Serie A, nous sommes dans la 27e journée. Et Naples bat Torino 4-0. Lazio bat Roma 1-0. Et nous avons dit que Roma était prend 2 cartons rouges dans le match. Ça a fait que Roma a une déficience. Et nous avons gagné Milan qui était bat depuis qu'il a perdu hier 3-1 face à Udinese. Et Inter de Milan a perdu la Kaili. C'est Juventus qui bat 1-0 dans le choc qui a gagné en Italie. Et victoire ça, c'est un course à la montre lié pour Juventus au moins pour être capable de qualifier une place qualificative dans la scène européenne. Si toutefois le pata champion dans la compétition côté que l'a joué, nous connaissons que Juventus a perdu 15 points, mais il y a une possibilité pour être mettre 15 points pour Juventus, mais nous pourquoi là, Juventus a fait tout ça capable au moins pour être capable de qualifier pour une grande compétition. Et Juventus fait une belle victoire sous Inter 1-0. Après 27e journée, Naples, c'est quelques matchs d'attente pour le champion. Naples gagne 71 points. Lazio gagne 52 points et Inter li gagne 52 points. Victor Osimhen, c'est lui-même qui a mené dans cela en Italie, n'a pas gagné les buteurs. C'est Osimhen qui est meilleur buteur en Italie, il a 21 goals. Lautaro, il n'a pas marqué jeudi, il est bloqué à 14 goals. Et nous gagnons Mbala, qui a joué dans Spezia, qui a gagné 12 goals. C'est comme ça, classement buteur là, en Italie. En Angleterre, pas gagné un pile match dans la première ligue là, peut-être qui ça, parce que gagné FA Cup. Et hier, Manchester City balayé Burnley, li bat li 6-1. C'est comme ça. Ça finit avec un triplé de Erling Haaland. Haaland dans moins de 5 jours qui fait 8 goals. Et Haaland là, son machine à but. N'a pas rappelé tout. Guardiola a retiré Monsieur Pien Bonheur. Et il y a moun qui dit, Zami, quand parle avec moi, il y a un coup Guardiola. Faut Guardiola bat pour le pas montrer. Nouvelle visage parce que il y a des gens qui disent tout retirer la pour tirer Haaland dans un match comme ça, c'est pour le parfait 91 goals Messi. Mais moi, même pas quoi comme ça, mais ça c'est propos monde qui a regardé jouer là. Mais nous connaissons que Guardiola a une fâcheuse manière pour toujours retirer Haaland dans un match bien bonheur. Et hier, il a fait ça. Nous gagnons Arsenal jeudi qui n'a pas joué FA Cup. Arsenal a joué Premier League et Arsenal font belle victoire, une nette victoire sur Crystal Palace 4-1. Et nous voyons que Arsenal saison ça là, tout signe au vert pour Arsenal capable champion. Nous disons que Arteta était dans Manchester City, était adjoint en Guardiola et là, la fait gros amener là avec Arsenal et Arsenal capable champion Anissa en Angleterre. Et nous gagnons Chelsea qui défait 2-2 dans la première ligue là avec Everton. C'est comme ça, ça y est. Il n'a pas temps pour classement pour parce que journée à là, il n'est pas fin de jouer. N'a pas dit que nous n'en 28e journée. En France, c'était 28e journée également. Mais il y a un match qui était fait en pile monde saisi contre toute attente PSG. À domicile, il a perdu 2-0 face à Rennes. Sac de Rennes, il bat dans Stade Rennais qui bat 2-0. PSG prend premier goal là dans fin première période là et il prend deuxième goal là dans début deuxième période là.
un PSG qui t'a gagné un Messi qui était plus ou moins abjoué dans première période là, mais dans deuxième période là nous tout joué PSG yo t'a pensé avec l'autre bagaille. Et je dis un monde qui t'a regardé PSG pensait que vérité a doit toujours dire pour le sortir, mais m'te compte toujours dit Mbappé pas contre jouer, nous ouais que Mbappé pas contre jouer parce que goal ça que PSG prend Mbappé fait rater une même genre et le PSG prend green goal ça. Yo juste fait zoom sous Mbappé côté que le raté en action idem. Malheureusement pour français a goal la pas de fait, mais nous PM Mbappé li juste buteur, mais pas même un franc buteur, même monsieur quasiment pour moi il pas contre jouer et quand pile monde calé dans même ça savait moi ne doit pas aller là avec moi, c'est bon problème c'est choix. Mais je dis si Mbappé te gon ti crasse contre jouer on ti crasse Neymar tout petit dans li parce que je dis une différence qui t'a fait. Et Messi au sifflé dans le Parc des Princes, pas parce que il jouait un mauvais match, mais nous connaissons Messi, tu es rentré dans le scandale, tu es quitté l'entraînement dans la semaine, dans le camp des loges là. Et je dis, tu es préparé à accueillir ça pour lui. Et nous connaissons que coach Messi, depuis le fin champion avec Argentine, coach Léon Tijan baissé en France. Et je dis, dans le Parc des Princes, Argentin, tu recevoir des sifflets. Dans le match, ça te gagne pile. Artiste qui te la donne, nous te gagné Kim Kardashian qui te dans match là et ils sont francs supporter Neymar et li pas hésiter afficher avec maillot brésilien qui pour le moment vraiment absent avec PSG, mais grand pile regret dans match là, en pile déception. Nous gagne Galtier, nous gagne président Paria Campos, tout comme ça yo était là, mais yo pas capable faire rien. Encore une fois PSG passé à côté, et PSG pour moi c'est toute équipe planète pour le ta remanier pour être capable sortir avec un bagage. Et n'a pas rappelé tout PSG gagne seulement championnat que la défense sous saison ça. Et nous gagnons Monaco qui fait une belle victoire 2-0 sous Ajaccio. Et Marseille li bat Stade de Reims 2-1. Et après 28e journée, classement c'est comme ça li. PSG toujours leader, li gagne 66 points. Marseille gagne 59 points. Et Lens gagne 57 points. Jeudi dimanche, la gang pile match qui fait nous saisir. Et c'est suspens à prolonger la juste en Allemagne. Nous gagnons Bayern de Munich qui était en déplacement Kai Bayer Leverkusen. Bayern Munich li perdu 2-1. Et n'a pas rappelé que c'est Bayern qui était ouvri marque là. Mais Bayern Leverkusen a gagné ressources pour remonter au score et même battre match là. Et de fait, ça fait que Bayern n'est perdu tête classement. Et depuis hier, Dortmund a fait une large victoire sur Cologne 6-1. Et Dortmund, leader championnat, ça, nous sommes capables de dire pour la première fois pendant la saison, ça, si je ne me pas tromper. Dortmund, leader, li gagne 53 points. Et Bayern gagne 52 points. Union Berlin gagne 48 points. Leipzig également, li perdu. C'est Bochum qui bat Leipzig 1-0. Et nous, ouais, dans la deuxième moitié de la saison, j'en te dis, nous, gagne pile équipe là, qui besoin de points. Et sous gros, pour yo, prend yo, Bayern, pas dérobé avec et wall ça. Et nous gagne PSG tout qui perdu un bon 3 points jodi an. Bagayou vraiment pas bon pour équipe de tête yo dans différents championnats européens. Jodi an à 4h, c'est Barcelone qui t'a fermé 26e journée pour week-end nan. Nan kan nou an, Barcelone li bat Real Madrid 2-1. C'est une belle victoire pour Barcelone. Mais après victoire, ça a tout grand pile question qui va le poser du côté de Real Madrid. Barcelone, pas de vin barré jeudi. Hein? Barcelone devine jouer en bloc haut. Barcelone t'est rentré dans le canon lui-même, il n'y a pas besoin de match nul. Barcelone devine battre Real Madrid. On Real Madrid que le gagne 5 ans que le pas chambre bat dans le canon. Et jeudi, hein, bagay ça l'écrasé. Barcelone li bat Real Madrid 2-1 avec un goal de Sergio Roberto. Un goal de Franck Kessié qui rentrait quelques minutes avant que le marqué. Et un autre goal de Araujo. Ça fait 2-1. Première période là, nous qui t'a regardé match là, nous avons vu que Real Madrid était légèrement supérieur que Barcelone. Real Madrid était poussé en pile. Real Madrid lui-même était venu avec un bagage tout. C'est soit le battre ou bien le perdre. Parce que match nul, pas ta bon pour Real tout. Mais, il y a un peu de fanatique Real qui dit
préféré que vous avez fait match, mais Ancelotti, il était venu avec un motif clair, ce soit le battre ou bien le perdre. Real Madrid, je dis, en première période là, il a affiché un visage côté que séduisant, mais avec un Benzema tout qui était un petit jean maladroit. Benzema, je dis, pense que c'est premier classico que Benzema jouait aussi mal comme ça. Benzema, je dis, il n'a pas proposé nous rien du tout. Vinicius, comme toujours, t'es gagné un projecteur sous lui. Et il était déjoué à Ojo plusieurs fois dans le match là. Mais ou vinoué devant, c'est seulement Vinicius qui t'a joué. Parce que Benzema, nous par contre, ces blessures là qui fait jouer anti-jean diminué. Nous voyons que même dans le choix passe Benzema aujourd'hui, il n'est pas bon. Les boules fait passe là à gauche, il fait la droite. Placement tout des fois, nous pas de jouer. Benzema côté pour nous te joindre. Valverde lui-même, ailier pour moi, il n'est pas qu'à jouer. Parce que pour jouer ailier, il faut gagner vista, faut gagner des capacités créatrices pour capable aider l'équipe pour jouer et faire goal. Parce que Valverde, il n'est pas bon. Non, pas ça. Et c'est dans le temps tiré, Valverde capable de mieux aider Real Madrid. Bon, selon lui-même, faut que nous saluer détermination, le chante campé équipe. Malgré Barcelone prend un goal, Barcelone pas chambé baisser les bras et yo te poussé jusqu'à ce que yo égalisé. Nan fin première période là, c'est là que Barcelone Real Madrid prend grand goal là et si n'a suivre propos Thibaut Courtois, il dit que Ancelotti, il te parle à Ancelotti, il dit que Green Wall ça nous prend pas bon pour nous. Peut-être si nous sommes rentré dans le vestiaire là avec 1-0, nous avons gagné plus à 6 et ça nous a dicté loi. C'est nous qui avons fait Barcelone ou mais comment pour jouer. Mais avec 1-1 là, nous obligé de mettre tête nous dehors parce que ce soit nous battre ou bien nous perdre. Ça c'est propos relayé par Thibaut Courtois de Ancelotti. Équipe Barcelone lui-même que nous avons salué victoire Barcelone. Dans la deuxième version que Barcelone a proposé nous là, il a gagné plusieurs gens que le cas campé équipe là. Pas oublier, Barcelone ça, il n'a pas gagné deux Dembélé, pas gagné deux Pedri. Première version, Barcelone mit à terrain là, était plus fluide. Mais la deuxième version ça, il porte stabilité pour FC Barcelone. N'a pas remarqué aujourd'hui, Xavi, dans le mi-temps terrain, il joue avec De Jong, il joue à Sergio Roberto qui finit l'homme du match, et il joue avec Busquets. Il n'a pas commencé à faire Franck Kessié, et même s'il était joué avec Franck Kessié, même ça nous, ouais, que Barcelone baille aujourd'hui, là, ça l'a toujours baille, parce que deuxième version Barcelone, dans même son deuxième version, qui est vraiment stable, qui est vraiment poté en pile bagaille dans le mi-temps terrain pour FC Barcelone. Je dis en mi-temps terrain Barcelone répond en pile mais les n'a comparé avec pas Real Madrid là pour ces deux bagailles différents et Ancelotti lui-même avant match à finir il a changé tout le monde net qui était dans mi-temps terrain net. Je dis en défense Nacho c'est Nacho qui est là mais c'est comme si c'est pas Nacho nous te connaît qui vraiment pas tellement poté sale qu'on poté. Barcelone, ni continuer qui est le Balde. Et nous songez, j'aime te qu'on parle, j'aime te dire nous Balde. Son latéral pour nous suivre, son latéral qui est capable de porter un pile bagay pour FC Barcelone. Et je dis en oué, Balde, t'es empêché Caval monter trop. Parce que si Caval t'a plaidé de monter, Barcelone t'es capable de prendre plus de goal. C'est ça. Vu l'âge Caval avec l'âge Balde, c'est deux générations qui vraiment différentes. Ça te vient fait que Ancelotti mandé Caval pas trop monter parce que Balde lui-même était bail en pile problème sous bon côté il t'a évolué. Barcelone fait deuxième goal là dans fin deuxième période là un goal de Franck Kessié. Je dis encore une fois Lewandowski lui mieux mais il pas joué un mauvais match. Et deuxième goal là, il vini avec une frappe que il t'a fait rebond. Non, premier goal là, son frappe que il fait Sergio Roberto jeune rebond. Et deuxième goal là, avant-dernier passe là, dernier passe à Libaili. Deuxième moitié saison, pas bon pour Lewandowski. Mais nous voyons que pas de Lewandowski buteur, pas de problème pour FC Barcelone. Parce que nous, ouais, FC Barcelone, ça, il est capable de jouer en genre sans que Lewandowski pas manque.
Et Nabdou tout c'est premier, c'est deuxième goal que Barcelone prend la Kylie dans Liga dans toute 26e journée pour dire que l'équipe ça li pas prend en pile goal et dans canon son forteresse Barcelone pas prend en pile goal pour saison dans canon. Jodi an nou wè a klè problème que Real Madrid gagne son problème équilibre. Et j'aime te kon di nou an Casemiro c'est pas un joueur que nous capable remplacer comme ça. En pile moun te boycotté ça me dit an pour dire que Real Madrid champion Real Madrid dissidat mais là nous vinn wè que tout problème Real Madrid gagne son problème équilibre. Tchouameni que ou te acheté pour remplacer Casemiro et nous gagne deux matchs importants là. Monsieur ça pas commencé match. Jeudi c'est Toni Kroos qui joue 6. Nous gagne Kamavinga qui pas joué 6 jeudi hein et nous le premier goal que Real Madrid prend c'est Kroos pour moi qui responsable parce que monsieur trop lent s'il était bon petit crasse rapidité dans lui peut-être que goal là t'a toujours fait mais t'a fait en l'autre façon. Kroos pas bon ou bien li lent comme toujours mais le fait qu'on pas gon monde qui pour stabiliser jeu là ou est toute erreur équipe la gagne net. Selon moi même Real Madrid besoin changement dans toute position net. C'est seul arrière central d'après moi même Real pas besoin changer. Real Madrid besoin un 6. Real Madrid besoin deux latéraux, li besoin deux ailiers, li besoin deux attaquants et li besoin trois relayeurs. Pour moi et depuis le début saison on dit qu'on dit que mercato Real Madrid là pas bon parce que yo ouais yo prend Ligue des Champions yo pensait Florentino pensait que même équipe là t'es capable faire ça t'es fait mais gain l'âge gain joueur qui fatigué le prend Kroos le prend Modric on ça fatigué nature pas titulaire et nous des fois le cas sort son match l'autre fois le pas sorti match du tout fait la Mendy blessure fait nous pas qu'à jouer toute intensité joueur ça. Et Real Madrid, il faut qu'il fait un gros mercato pour au moins il est capable de relancer le net dans la Liga. Barcelone, après victoire, ça, il est quasiment champion. Et ça fait depuis 2018 que Barcelone a couru des Liga. Je pense que saison, ça, c'est saison par FC Barcelone. Et Barcelone a un avantage direct sur Real Madrid. Barcelone gagne seulement Liga à l'abjoué. Li pa gagne championnat européen que Libra joué. Real Madrid li gagne Ligue des Champions. Et Real Madrid était Coupe du Roi à côté que Barcelone était en battu 1-0. Et match retour à Sénat Canouan. Ça veut dire que gagne des matchs. Real Madrid a fatigué. Barcelone a beaucoup plus frais que Real Madrid. Et là, je pense que fanatique Real yo met ça dans la tête. Non. Saison ça là, Barcelone pour moi, les champions, bien que retient près de 12 matchs. Et je pense que Barcelone n'a pas besoin de tout 12 matchs là pour le champion, parce que c'est 12 points que le gagne sous Real Madrid. Avant nous aller, nous avons partagé cette information ensemble avec nous. Nous allons parler de Marquinhos et Richarlison qui font fait pour rassemblement Brésil qui a fait le 25 mars. Et M. Sayo avec équipe respective, yo pas capable de jouer tout en club et en sélection, yo pas capable de compter sous yo et n'a gagné Brésil a remplacé yo par Bremer et Yuri Alberto a joué dans Corinthians. Barcelone capable de jouer encore là avec Arsenal pour Rafinha. Même les moins nouvelles ça même ça fait mal parce que j'aime Rafinha a bien comporté l'FC Barcelone mais nous connaît bagaille c'est l'argent yoyé et Barcelone pas gagné latéral droit et il est capable font un échange plus Cob avec Arsenal pour Bali Tumiusu qui sont bons latéral droit nous on gagne un petit gens et pas un non footballeur comme si quand je joue football mais quand même j'aurais allé vraiment bon sur Barcelone dans Bayern Rafinha plus l'argent mais c'est juste une information l'hypoco comme si prend forme réellement mais n'a suivre information ça de près pour nous dire est-ce que dans mercato tout ça est-ce que Rafinha va pas tourner en Espagne. Dani Alves nous connaît qui dossier fin clarifié et la tonne sanctionne là, mais Dani Alves là, c'est comme si dans prison il est à l'aise. Dani Alves il organise des championnats entre détenus
et vente des maillots en dans prison hein, sportif il vraiment explosé et Dani Alves lui-même nous connaissons joueur qui vraiment Jean Lia il remiri avec tout le monde et là l'a passé problème et Dani Alves a fait partie monde en prison hein, côté que l'a fait vieux jour là et si toutefois il est coupable il est capable de passer 10 ans derrière les barreaux ça nous pas à espérer mais nous ouais Daniel Alves montrer tout pour nous clair que bagay sa yo yo derrière même la vive tant quel que soit côté que l'Italie. Merci avec vous même qui t'a regardé nous qui t'a tendez nous m'a saluer Ronnie m'a saluer Max Gachette merci Louis Saint m'a saluer nous en m'a saluer nous en pile Jean Brégan Pierre Brégan m'a saluer en pile merci pour support et m'a saluer chaque grenaïsien qui a regardé nous qui t'a tendez nous tout côté là. Moi remet nous en pile. Non, pas M. Mielad, bonne semaine, à très bientôt.